savent pas les gars, c'est que je les ai pranqués. J'ai ramené un collègue à l'intérieur de la mine. Et du coup, il dit ça va leur faire peur. Ça va être une grosse dinguerie. Là, les gars, ce qui vient de se passer, on est arrivé devant et on a perdu tous les fichiers sur la caméra. Trop bizarre. Et ça s'est remis. Les fichiers se sont effacés. Vraiment, on a tout regardé dans les rushs et tout, et ça s'est remis. L'atmosphère est particulière là, les gars. Vraiment. L'atmosphère est bizarre. Les gars, on suit le max. Allez. C'est ouf là, non? T'as rien vu encore. Et vous voulez un truc de fou encore? Vous voyez les, tu vois les carrés dans le mur là? Attends. Dis-moi. Tu vois les carrés dans le mur? En gros, c'était des poutres. Et en fait, c'était l'accès au deuxième étage. Et en gros, ça faisait une route. C'est immense. Il y avait un pont en bois qui montait au deuxième étage, en gros. Sauf que le deuxième étage, du coup, on peut plus y accéder parce que c'est tout effondré. On peut juste y aller par au-dessus. Mais il faut qu'on y aille par au-dessus, quoi. Si on veut. D'accord. Bon, les gars, là, c'est pas très compliqué. Soit à droite, soit à gauche, soit devant. Moi, je choisis. Soit là-bas, soit derrière. Je vous propose que, ouais, quoi qu'il arrive, on prend toujours droite. Déjà, ouais. Si notre guide, il connaît pas sa droite. Hey, essayez de me retrouver, les gars. Et là, levez la tête. Regardez le deuxième étage. Oh la dinguerie. Regardez, il y a un... Salut. Essaye d'éclairer le plafond que... Comme c'est haut. Attends, mais il est là, là, sur le deuxième étage. Il y a un petit bout de pierre qui est tombé. Non. Ah, si. Ah non, c'est des gouttes. Il y a plusieurs choix, là, non? Il y a plusieurs choix. Bah, c'est nous qui vont décider, les gars. Ça y emmène par là. Oui. Ah mais c'est les gouttes pour les yeux. Attends, faut se mettre comme ça les têtes. Ça va pas loin. On va t'en mettre des gouttes dans les yeux. C'est quoi? Alors regardez, il y a une inscription. Et là on voit une chauve-souris là. Quoi? J'ai plus froid. C'est un silo. Non, en gros ça c'était une douche, c'est la chaudière ça je crois. Par contre ça fait un peu badé ça. C'est quoi ça? Ah ouais, regardez là les gars, il y a du sang. Wow. Alors vous en pensez quoi pour l'instant? C'est ouf. C'est ouf hein. Ah bah, c'est vraiment dingue. En vrai tu vois, même de le refaire une fois c'est vraiment méchant stylé je trouve. Tu vois. Bah, t'as jamais tout vu en fait je pense. Ouais c'est ça genre. Tu reviens et tu trouves toujours un petit truc genre. Ah tu vois c'est le deuxième étage là-haut. Les gars vous voyez ou pas? Ça va. Attends, je suis tombé mais moi j'étais... Oh il y a le deuxième étage. Les gars là-bas je vois la lumière. On retourne à l'entrée. On est par où? Ça me dit rien ça. Non mais ici on n'est pas passé. Les gars, il y a des rails là. Ah ouais. Ça c'est... Ah, y a... Putain, c'est un wagon qui a cramé ça. Ça c'est les anciens rails pour extraire tous les minerais quoi. Waouh, c'est ouf. C'est dingue hein. T'as vu, il n'y a pas de rails? Non. Et alors aidez, en fait il y a un mur. Sur la... Ouais, mur, ouais. Là, sur la gauche, en face. Ah ouais, ici? Ouais. C'est pour consolider la grotte, là. Qui est-ce que c'est que ça, par contre? Ouais, du bois. Ah, c'est les gens qui sont venus. Et là, regardez. Ah ouais, en fait, il y a vraiment plein d'entrées, quoi. Là, du coup, on arrive dans les parties un peu plus conservées, les plus vieilles. Ok. Oh, regarde, les traces. J'ai une trace de grille chaud quoi. Waouh. C'est un T-Rex. Alan, pourquoi t'as frotté tes chicots contre la paroi? C'est toi qui as les chicots parmi. Ah, ça descend un peu profond, faut juste faire gaffe pour pas tomber. Ah, et là il y a le toit qui... Oh. Et t'es mort. Non, je suis comme ça là. Ça a été vraiment creusé par le boule. Mais ça, je sais pas si c'est par les mineurs, tu vois, voilà. Ou par une machine, j'en sais rien. Max, là, on a visité un petit peu l'entrée de la grotte et tout. Est-ce que maintenant, tu peux nous emmener très loin dedans? Ouais, bah, là, si on gonfle. Oh, on s'approche d'un truc de ouf. Oh, mais non, on est déjà passé là. Non. Attendez, les gars. Écoutez, la caméra. Max, qu'est-ce que c'est? Tiens, bon, là je me chie dessus. On va pas attendre 30 ans. Ce qui est trop bizarre. On éteint et on s'infiltre. Vous entendez à la cam ou pas? Vous entendez? Wesh. On se présente. Mais là je me chie dessus. Là c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Il y a un mec avec une capuche noire. Soit on y va.
pas direct. Mais je peux pas, moi je peux pas garder le mystère. On sait pas sur quoi on va tomber. Si ça se passe mal. Non non, je sais où il est sorti. Courez et vous me suivez. OK. Mais ils sont forcément bizarres. Moi je suis trop curieux. On peut pas partir sans y aller. Ouais, non, c'est vrai. C'est impossible. Mais il faut qu'on soit respectueux, on va dire bonjour. On voit ce qu'ils nous répondent. Si ça se passe mal, on court et vous me suivez. Ok. Ok, c'est parti. On vous dérange ? Oui. On visite un peu, on savait pas trop. On a entendu du son, on savait pas trop. Qui s'y tramait, mais voilà, on est un peu rassuré, quoi. Vous êtes tout seul ? C'est cool, en vrai. C'est toi qui chantais ? Non, ça te dérange. Ouais. C'est cool. Est-ce qu'on peut se rapprocher ? Ça te dérange ? Venez. Bon, de toute façon... Tu reconnais que c'est pas commun. Arriver 5 mecs déguisés en mineurs, c'est pas commun non plus. Bah, enchanté, hein. Alexis, moi. Alexis, ouais. Enchanté, Alexis. Putain, on a entendu de la musique, on se demandait un peu ce que c'était. Ouais, ça vient de s'arrêter, je voulais j'en remettre ou pas du tout. Pour l'ambiance. Ah, vas-y, comme tu veux. Si tu veux nous, je sais pas ce que tu. Et tu fais quoi ici? Ouais, ouais. Un rituel, quoi. Ouais, voilà. En fait, je viens tous les week-ends ici. Enfin, là, on est. Bah, si, on est vendredi. Non, on est samedi. Ouais, tous les week-ends, je viens et je fais mon petit rituel. J'allume les petites bougies. Là, j'ai allumé l'encens, mais c'est allumé qui s'est éteint. C'est ouf. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ouais, c'est bon, bah, on fait connaissance, ça. Allez, non, mais au départ, on s'est dit. Surtout qu'on voyait que ta capuche et tout. On se disait, mais putain, mais c'est possible que ça soit vraiment un rituel, mais plus bizarre que ce que t'es en train de faire. Alors que ce que je suis en train de faire, en vrai. Et pourquoi y a un os juste... Je sais pas, ça, c'était déjà là quand je suis quand j'ai... Moi, je suis à côté. Il garde ton marteau, t'inquiète. C'est bon, vas-y. Je suis pas tout seul à venir. Ah ouais, Et ils sont où tes potes? Tu viens me piocher. Il est bien réel, Alan. Et ils sont où tes potes? C'est bien moi. Tu as fait ça depuis longtemps? Bon, bah, tous les week-ends depuis, c'est pas, ça fait 6 mois au moins. Ah, ouais. Et dans quel but? On vient et en fait ça me permet de me retrouver moi-même, réfléchir à pas mal de choses. Là j'ai des examens avec les cours qui arrivent dans pas longtemps. Donc ça fait du bien quoi, tu te rends compte. Tu fais des quoi? Tu es en cours de quoi? Je suis en école d'ingé. Putain, incroyable. Voilà. D'accord. Du coup. Y a personne qui soupçonnerait que tu sois là. Ah ouais? Bah je sais pas. Ah c'est vrai que c'est particulier quand même. D'accord. T'as raison, en vrai, si tu te sens bien ici. Au départ, on s'est dit, mais si c'est un mec qui chante. Ouais, ça doit faire très bien. Bah, moi, je m'imaginais un vieux chauve et tout. Je me disais, putain, mais je chante bien. Ouais, c'est sûr que c'était une enceinte. Non, non, non. Mais s'il avait aucune. Ouais, j'avais peur que vous soyez plusieurs, c'est tout. Ouais. Ouais, puis tu sais pas, si on tombe sur un truc, on est témoin d'un truc qui devrait pas, tu vois. Je vous ai entendu, mais j'ai pas réagi tout de suite. C'était un peu dans mon truc, donc. On va pas déranger 50 ans non plus, mais bon, nous on est rassurés aussi de. Voilà quoi. Tu comprends, on voit au loin, genre, une table avec des bougies, avec un petit fiche noir et tout. Voilà. Ouais, elles sont bientôt éteintes, celles-ci, il faut bien que je les change aussi. Ah, elles sont petites, elles commencent. Elos, du coup, tu nous as pas dit que tu fais quoi avec. Alan, ouais, il faut pas. Tu sais que c'est super. Enfin, ça se trouve, c'est sacré, Alan. Là, tu viens de briser un. Non. Ah, c'est ouf. Moi, j'avais pris un paquet de chips, si vous voulez, je peux. Aussi, hein, si vous voulez. Non, je rigole, c'est pas vrai. Les gens vont croire que c'est nous qui l'avons mis en scène. Ouais. Tu sais qu'on a bien fait de venir parce que si on repartait, je dormais pas pendant. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que moi aussi, je dors. C'est pas du fake, enfin, tu nous confirmes, on te connaît pas. Moi, je fais pas des explorations. C'était pas une blague. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, bah, super rencontre en tout cas. Ouais. Ouais. Et rassuré, désolé d'avoir dérangé. Fais attention à toi. Ouais. Bonne chance à vous. Bah, merci. Bah, merci. Ah, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Genre, à quelle heure tu viens tout seul ici? Il a beau être super sympa, il est forcément pas net. Il est trop bizarre. C'était quoi l'os sur la table? Bon, allez, on continue. On s'enfonce encore plus loin dans la grotte là. Maintenant, Max nous confirme qu'on est au milieu de la mine, au plus profond, quoi. Mmh, tout à fait. Et l'objectif, là, maintenant, pour nous, et ben, Max il va nous dire, bah, démerdez-vous. Et là, il faut qu'on retrouve la sortie, mais pas la même par laquelle on est rentré, il y a une autre sortie. Donc là, on va tester les galeries à droite, à gauche, et l'objectif, de façon, c'est de ressortir maintenant. L'entrée par où on est passé, je sais pas où elle est. Oui, moi, mon donc, on est complètement... Et là, en plus, on a fait cramer le petit fumigène, il y a de la fumée partout, on est en train de s'étouffer. On s'étouffe, donc allez, on va voir. Oula! C'est vrai, en vrai, les gars, on n'était pas censé faire là. Si.
tu me passes exactement par ici. Là-haut, vous pensez? Non. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, hein. Autant c'est là, les gars. C'est quand c'est compliqué que c'est là. Que c'est la sortie. Ah bah non. RAS, les gars, demi-tour. La sortie, elle doit être en suivant les rails. Allez, vamos alors. Go, on suit les rails. Ça doit pas être. Mais là, on sent clair, non? Ah ouais. Alan, tu sens l'air? Je vous donne des indices. Bien, je pense que là, on est revenu à l'endroit de tout à l'heure. Bah, c'est tellement immense qu'on sait même plus où on est passé. Fais gaffe, Alan. Hein. Ouais. Oh, les gars! Je crois qu'ils ont la flamme. Ah les gars, là-haut, il y a un truc, hein. Qui veut les checker avec moi? Les gars, ça s'est boulé, je pense. À mon avis, Marc, ça s'est boulé entre-temps que tu m'as vu, parce que là-bas, ça sort pas. Pardon. C'est vrai, les gars, que c'est boulé ou pas? Ouais, on peut pas sortir là-bas, il y a pas de sortie. Et on sort comment, du coup? Bah, on va essayer par là, hein. Tu veux qu'on fasse quoi? J'ai déconsolidé, mais bon, ça... Ah, j'ai mis dans mon sac, quoi. Éclaire temps, si tu veux. Il y a des trucs de rappel pour les gants. Là c'est chaud, là c'est dur à monter là pour moi. Sans rappel. On va laisser tomber alors. Les gars, c'est pas par là, on retourne où on était avec Mick, hein. C'est bouché. On va essayer de trouver autre chose, peut-être qu'on a mal vu. Hein. Ah bah si. Ah ouais, mais je joue pas pour descendre. Alors mon petit robot. Ça va? Bon, moi j'ai du d'enfer avec mes reports là. Validé pour Max. Attention mon pied. Joli Max. Tu vas sauter? Là-bas, ouais. Ouais. Ah, oh, c'était trop dur. Joli. Ouais, ouais, ah, mais bon. Ouais. Turbo joli. Merci. Ouais, mais là, je sens un courant d'air quand je descends. Ouais. Hein? Allez, go! En avant! Non, on s'est arrêté là parce que c'était éboulé, quoi. On a dit à Pierre de partir, vous avez pas vraiment regardé, quoi. Ah, ça, c'est des explorateurs débutants. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais attends. Quoi, là? Il met une blague. Non, je te jure. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Tu vois sur qui là? Ou alors il s'est endormi. Mais bah j'aime les gars, mais j'étais pas des pierres dessus. Est-ce qu'il est en bonne santé, ça va pas? Bah je crois que ça continue. Ouais. Non mais est-ce qu'il est en bonne santé alors? Oui, c'est ça le plus important. Là il bouge et tout, il fait une petite sieste notre copain. Ça va? Oui, ça va. On fait juste sa petite sieste hein. Ah bah elle est bizarre comme ça. Venez, on sort et on débriefe dehors. Non mais c'est vrai hein. Ça y est, on a trouvé la sortie les gars. On allait faire notre petit... Les gars, c'est la sortie. Avec Benj, on l'avait pas trouvé, c'est promis hein. Ah bah je n'avais pas trouvé nous. Non. Non non. Non non. Ouais. Mais... Et en gros il y a une autre carrière. Ils jettent des cailloux. C'est vrai? Ouais. On est sorti de la mine. Et il y a le même gars que tout à l'heure qui se balade dans la mine. Il est sans lumière, on est d'accord les gars? Ouais. Il se balade sans lumière dans la mine. On l'a trouvé là allongé à un endroit super dangereux où les pierres elles peuvent tomber. On l'a demandé si ça va, il répond pas. On l'a demandé si ça va, il répond pas. Après on l'a quand même... On l'a un peu touché, enfin le mec est en bonne santé, mais ah, voilà, il est un petit peu, un peu chelou quoi, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais ouais. Tiens, mais t'es fou de rester là, patata. Non. Ah bah voilà. D'accord. Putain. T'es trop bien préparé. Ouais, les gars. Trop bien préparé. Chapeau. Non, du coup, je fais pas des rituels. Oh putain. Aïe aïe. On a été pranké et ça fait trop bizarre. Ouais. Ouais. Hein, ouais. Ah non, c'est dans la vidéo. C'est fait pranké quoi. Ça fait bizarre d'être pranké, ouais. Ouais. Genre là, on n'a pas préparé quoi. Il y a personne qui a eu l'assomption de se dire que c'était son pote. Non. Moi, au tout début, mais. Moi je. Non, moi, plutôt. Aucun moment. Parce que je me dis quand même, le. Enfin, faut l'emmener là, enfin, faut qu'il connaisse. Il faut qu'il attende une heure, tu vois, t'as attendu une heure et demie. C'est que je connaissais pas, hein. Je suis allé à l'aveugle, je connaissais pas, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que je viens. Non. C'est juste qu'il y a avec les plans et tout, genre. Ouais, en fait, il m'a envoyé le plan. Et du coup, moi j'avais le plan et tout, t'as vu, genre, en mode. Je suis venu en vélo ce matin. Ah, à un moment, il a dit. Non, il y a. Exploration et tout aussi, alors. Ouais, du coup, bah, c'est avec lui, on a visité la mine la dernière fois et tout, du coup. Ah, putain, ouais, bah, du coup, ouais. Putain, moi je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il est quand même venu en vélo. Merci, les gars. Et bah, là, je suis un peu bouche bée, bravo à tous, c'était un truc de malade, on a été piégés jusqu'au bout. Merci, les gars, d'avoir joué le jeu, c'était super cool. Ouais, et nous, on a vraiment kiffé toute l'expérience et au plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très certainement le mois prochain pour deux vidéos encore plus dingues. Où je vais m'infiltrer dans une secte la plus dangereuse de France et passer une nuit dans le bâtiment le plus hanté de France. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez louper aucune aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner.